Bonjour à toutes et à tous, ici Wisher et sur Replay pour WatchLab. Comment ça va, Suri? Ça va très bien, et toi, Wisher? Bah écoute, comme d'habitude, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les différents événements qui ont touché Overwatch au cours de la semaine. On commencera par les actualités avec le début imminent de la Gamescom, l'arrivée d'un système de signalement sur console et tout un petit bric-à-brac de petites news. Dans la partie e-sport, on vous parlera des résultats des Overwatch Contenders et de l'Apex Saison 4. Et enfin, pour finir, on vous parlera d'un petit débat sur le mode compétitif. Et sans plus attendre, voici les actualités. Et on commence tout de suite les actualités avec l'arrivée prochaine de la Gamescom. Et oui, dans un communiqué sur la section dédiée à Heroes of the Storm de son site, Blizzard nous a dévoilé ses plans à l'approche de la Gamescom. Salon incontournable du jeu vidéo situé à Cologne en Allemagne, ce dernier est souvent l'occasion pour Blibli de nous annoncer de nouveaux contenus. On se souvient, l'année dernière, de l'arrivée d'Eisenwald sur le serveur PTR, mais également de l'animé sur le personnage de Bastion, intitulé Le Dernier Bastion. Cette année, l'édition de la Gamescom se déroulera du 22 au 26 août, et verra notamment l'aperçu d'une nouvelle carte le lundi 21 août, juste avant l'ouverture. Cette dernière sera par la suite testable pour les visiteurs du stand de Blizzard à l'événement. Également au programme, en date du mercredi 23 août, lors de la cérémonie d'annonce de Blizzard, un nouveau court-métrage animé sera dévoilé. La semaine qui vient promet ainsi d'être riche en informations, et l'on a hâte de découvrir tout cela. À présent, je vais me tourner vers toi, Wisher, et je vais demander un peu ton avis. Quel sera le type de la prochaine carte ? Alors, personnellement, je vois pas vraiment de place au doute. Tous les modes de jeu possèdent 4 cartes, sauf le mode Escort qui en possède encore que 3. Donc, 3 nouvelles cartes sont sorties depuis la sortie du jeu. Donc, on a Eichenwald il y a un an à la Gamescom 2016 pour le mode hybride, Oasis pour le mode contrôle et il y a pas si longtemps Horizon pour le mode assaut. Donc, logiquement, la nouvelle carte serait de type Escort. Je suis d'accord, d'autant plus que ça va rentrer un peu dans la nouvelle optique de Blizzard concernant les map pools de ces compétitions en 4 cartes, mais avec l'obligation de passer à chaque fois par chacun des modes de jeu au cours d'un seul et même match. Ça va être la prise en finie de la Gamescom et on passe tout de suite au système de signalement pour console. Et oui, vous le savez, le patch 1.14 est en ce moment même en cours de test sur le PTR, avec un nouveau mode de jeu, une nouvelle carte et quelques petits buffs par-ci par-là. Mais ce n'est pas tout, puisque le Saint Jeff est venu nous indiquer avec l'arrivée de ce patch, d'une nouvelle feature pour les joueurs console. Joueurs Xbox One et PS4, votre souhait le plus cher est maintenant exaucé, puisque vous aurez bientôt la possibilité de report des joueurs. Mais attention, Jeff Kaplan précise que le système n'est pas encore parfait et qu'il sera en continuel ajustement. Par exemple, Blizzard est en train de tester une feature de notification. Lorsqu'un joueur que vous aurez signalé se fait punir en conséquence, et apparemment, ces notifications se feront soit par mail, soit directement sur le client du jeu. Alors, sachant que Suri et moi sommes nous-mêmes des joueurs exclusivement PC, on ne sait pas vraiment quels sont les impacts d'un tel ajout, mais n'hésitez pas à nous donner vos avis dans la section commentaires. Les reports sur console, c'est maintenant terminé, et on passe tout de suite à un petit bric-à-brac de news. Et oui, testé lors d'une précédente itération de WatchLab, nous vous faisons part de quelques informations supplémentaires survenues au cours de la semaine. La première concerne les Overwatch Contenders, ultime format de compétition proposé par Blizzard avant l'arrivée de l'Overwatch League. Après la fin de l'équipe européenne des Movistar Riders, une place dans la saison 1 du tournoi s'était libérée. La structure française Gamers Origin a fait l'acquisition de cette place et participera donc bien malgré leur défaite de la saison 0. On note également quelques changements de roster avec l'arrivée de Lucas Leaf Loison, en provenance des Français de Miximix, dans le rôle de DPS, mais également de Jérémy Hardest Danton, ex-membre de la team LDLC, dans le rôle de DPS également, et enfin Richard Pipou Bouchemi, ancien joueur de Melty ou encore de LDLC, dans le rôle de support Lucio, avec la casquette de shotcaller et de leader en jeu. On poursuit avec un rapport de la part du journal américain ESPN, qui témoigne de sources proches de KSV eSports, détenteur de la place de Séoul en Overwatch League. Ces dernières auraient révélé le statut avancé de négociation entre l'équipe sud-coréenne de Lunatic Eye, vainqueur de nombreuses compétitions, telles que l'Apex. Le rapport précise que Kevin Chou, cofondateur de KSV eSports, aurait confié à VentureBeat en juillet la volonté de recruter un roster 100% coréen, pour le sentiment notamment d'appartenance des fans à leur équipe,
mais a également intimé à Action eSport qu'une annonce ne saurait tarder. Il ne serait pas étonnant de voir Lunatic Eye prendre cette place et obligerait l'équipe à venir à Los Angeles pour la toute première saison de l'Overwatch League. On rappelle néanmoins qu'il reste nécessaire d'attendre toute confirmation officielle. Enfin, Doomfist a été nerf. Et oui, vous ne rêvez pas, ce dernier a vu sa hitbox revisitée. Après de nombreux tests, il s'avérait que la dite hitbox était bien trop permissive, permettant au personnage d'utiliser par exemple sa capacité de dash et toucher un adversaire malgré avoir visé à côté, littéralement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et l'ajustement semble indiquer une hitbox bien plus raisonnable. À voir ce que cela donnera sur les serveurs officiels. Alors, Lunatic Eye pour représenter Séoul. Penses-tu, Wisher, que cette éventualité va se réaliser ou qu'un autre roster coréen viendra se joindre à Séoul? Alors, étant donné que Lunatic Eye est probablement la meilleure équipe du monde, je vois mal l'Overwatch League se jouer sans elle. Et il me semble logique que leur base se situe en Corée, et quoi de mieux que Séoul pour ça? Tant plus qu'à l'heure actuelle, Séoul est la seule ville coréenne officialisée pour l'Overwatch League, donc oui, je vois parfaitement cette association aller au bout. C'est vrai que malgré la richesse de la scène coréenne et ses nombreuses équipes talentueuses, Lunatic Eye semble être l'une des meilleures options pour disposer d'un roster compétitif en Overwatch League. Pour autant, je vais malgré tout laisser une petite part quand même de doute, vu qu'on a aussi des Kongdu Pantera, des Africa Freaks Boo ou même des Meta Athena qui pourraient très bien s'y intégrer également. C'en est à présent fini de la partie actualité et on passe tout de suite à la partie e-sport. Et on commence cette partie e-sport avec l'Apex saison 4. Et oui, après un lancement sur les chapeaux de roue la semaine dernière, les phases de groupe de l'Apex saison 4 continuent. Dans le groupe A, deux affrontements à l'issue surprenante ont lieu. On commence avec Meta Athena contre Runaway, un match qu'on voyait remporté par Meta Athena après les performances décevantes de Runaway pendant la saison 3. Mais au final, ce sont bel et bien les Runaway qui remportent ce match en roulant sur les Meta Athena par 3-0. De l'autre côté, Lunatic Eye s'est vu opposé à MVP Space. Encore une fois, tout le monde voyait Lunatic Eye gagnant, mais ce sont bien les MVP Space qui se sont imposés par 3-2. Pour les autres groupes, plus vraiment de surprise, Flashlux s'est imposé 3-0 face aux petits nouveaux de NC Foxes dans le groupe B. Africa Freaks Blue remporte son match lui aussi 3-0 contre Rox Orcas dans le groupe C, et Metabilum encaisse deux défaites de suite dans le groupe D contre Xyz Gaming et Conbox Spirit. Du coup, Shuri, qu'est-ce que t'as pensé de ces matchs, et plus particulièrement de ceux du groupe A? Eh ben, les deux grosses surprises que tu viens d'énoncer ne m'ont pas laissé de marbre, c'est le cas de le dire. Si je ne parviens pas vraiment à trouver d'explication pour Meta Athena, mis à part quand même une très bonne performance de leurs adversaires du jour, du côté de Lunatic Eye, on pourrait quand même citer les différentes rumeurs vis-à-vis de l'Overwatch League, ou même la fin des qualifiers de la World Cup, en guise d'explication. Bien entendu, ça n'enlève rien quand même hein, leur bonne combativité, car le score est loin d'être un 3-0 sonnant, ainsi que la performance d'MVP Space qui n'a quand même pas rien fait pour aller chercher 3 manches à Lunatic Eye. C'est vrai que les Lunatic Eye ont dû passer à peu près un mois et demi sans s'entraîner tous ensemble à cause de la World Cup, et les négociations pour l'Overwatch League ont dû aussi leur enlever un peu de temps d'entraînement. J'ai aussi l'impression que c'est le cas pour d'autres équipes, mais on en reparlera un petit peu plus tard avec les Overwatch Contenders. On espère juste que les Lunatic Eye réussiront à s'en remettre pour nous montrer le beau jeu auquel ils nous avaient habitués. Donc, l'Apex saison 4, c'est maintenant terminé, et on passe tout de suite aux Overwatch Contenders. Et oui, les Overwatch Contenders saison 1 qui viennent de commencer, et nous allons analyser un peu les résultats par région. Tout d'abord, dans la partie Europe, 4 matchs viennent d'être joués. 4 matchs avec quelques petites surprises et quelques bonnes nouvelles. On commence tout d'abord avec le premier match entre Misfits et Cloud9, qui a vu la victoire de Misfits par un score sans appel de 4-0. On rappelle Cloud9 qui vient à peine d'intégrer le roster de Laser Kittens dans sa structure, peut-être une petite difficulté de début d'installation, mais on verra par la suite. Le deuxième match a vu la plus grosse surprise, vraiment, de ces qualifiers Europe. De ces matchs d'Europe. E-United s'est incliné sur le score de 3-1 face à Team Gigantic.
Malheureusement, je ne connais pas vraiment cette team gigantique qui arrive un peu comme ça. Sûrement une acquisition d'un autre spot des Overwatch Contenders suite à un disband d'un des rosters. Mais c'est une entrée difficile pour United dans cette compétition. On espère que ça redeviendra au plus fixe par la suite. Ensuite, on passe à l'équipe 1-2-3, qu'on ne présente plus, qui commence vraiment à démontrer sa régularité, qui a remporté une très belle victoire face à Singularity sur le score de 4-0. Une autre fois un score sans appel, comme Misfits. Et enfin, la bonne nouvelle de cette zone Europe, c'est la victoire 3-1 de Gamers Origin face aux Bazooka Puppies. Gamers Origin, comme nous l'avions dit, qui a acheté son spot, le spot des Movistar Riders, en Overwatch Contenders. Et donc c'est un très bon début de compétition, on les sent motivés pour la suite. On passe ensuite à la zone nord-américaine, où là, des matchs sont encore en cours à l'heure où nous parlons. Pour les matchs qui ont été terminés, nous avons notamment le match entre Envious et Immortals, qui était très attendu. Et autant dire que Envious a été fidèle à sa réputation, en allant battre 4-0 les Immortals. Ensuite, on passe au deuxième match, et qui a marqué une très très grosse surprise. Envision Esports a gagné son match 3-1 face à Rogue, au terme d'une rencontre qui a été quand même très disputée, avec un niveau très relevé, mais c'est finalement Envision qui a su prendre le dessus sur Rogue. Néanmoins, on connaît Rogue, parfois ils ont du mal à rentrer dans une compétition, et généralement, par la suite, ils reviennent complètement à leur niveau habituel et écrasent absolument tout sur leur passage. Donc, on leur souhaite ça pour la suite. Également, du côté des matchs qui sont en train d'être joués, nous avons Kumyarna face aux Renegades et FaZe qui est face aux FNRGFE. J'ai toujours du mal à dire, mais ce n'est pas grave. Et on vous tiendra informé des résultats dès demain lundi. Alors Wisher, je vais me tourner vers toi et je vais te poser un peu la question, qu'est-ce que tu penses de ces résultats aussi bien de la zone Europe et ces surprises que la zone nord-américaine ? Alors, pour ce qui est de la zone Europe, je t'avoue que moi aussi je suis très surpris de la défaite de United, qu'on peut peut-être accorder, comme c'était le cas pour Lunatic Eye, au fait que la plupart de leurs joueurs étaient à la World Cup et qu'ils n'ont pas pu s'entraîner ensemble pendant près de un mois et que du coup ça a fortement impacté sur leur niveau. On espère qu'ils sauront se remettre pour nous proposer le beau jeu qu'ils nous proposent d'habitude puisque c'est quand même le champion de la saison 0. Pour les autres matchs, je dois t'avouer que pas trop de surprises, mais je tiens quand même à souligner la grosse performance de Gamers Origin et de sa nouvelle line-up qui ont été très très solides face à Bazooka Puppies et particulièrement concernant le Doomfist de Leaf qui était très impressionnant. Du côté de la zone Aine, de la même façon pour les Rogues, je t'avoue que je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que Rogue a toujours un peu de mal à débuter ses compétitions et là pas d'excuse du fait qu'ils n'ont pas pu jouer ensemble pendant la World Cup puisqu'ils jouaient tous ensemble pendant la World Cup. Je sais pas trop quoi en penser, j'espère qu'ils sauront se remettre, mais j'ai pas trop de doutes là-dessus, ces Rogues on les connaît, c'est toujours un démarrage un peu lent et puis après ils accélèrent la cadence. Sinon, rien d'autre à dire concernant la zone NA, si ce n'est que je verrais bien FaZe remporter la victoire face à FNRGFE et Kumyarna face à Renegades. Mais on attend de voir la suite. Je vais différer un tout petit peu sur tes pronostics. Je vais te rejoindre sur la victoire de Kumyarna. Par contre, je mettrai quand même une petite pièce sur FNRGFE. Ah tiens, pour une fois que j'aurai ici. Mais on va voir ce que ça va donner. Et après, on le rappelle, ce ne sont que les premiers matchs d'une compétition qui ira jusqu'à octobre 2017. Pour ensuite enchaîner sur l'Overwatch League. C'en est à présent fini des Overwatch Contenders et de cette partie e-sport, et on passe tout de suite au petit bonus de la semaine. Et pour cette dernière partie d'émission, on vous propose un petit débat sur le mode compétitif. Et oui, vous êtes sans doute déjà au courant, la saison 5 se terminera le 29 août prochain pour laisser place à la saison 6 le 1er septembre. La communauté n'a cessé de se plaindre au cours de cette saison des nombreux problèmes du mode compétitif, mais nous vous demandons votre avis à vous. Si vous deviez changer deux aspects du mode compétitif pour la saison 6, qu'est-ce que ce serait ?
l'espace commentaire, et maintenant à vous. Ça n'est donc maintenant terminé de ce 10e opus de Watch Lab. Nous vous remercions de nous avoir suivis et on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde.